Bonjour les amis taureaux, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner. Non, je rigole. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies du mois de... novembre 2018. Novembre 2018 pour les taureaux. Je le note hein, parce que sinon je l'oublie. En fait, j'ai noté tous les chiffres. J'ai noté tous les signes et puis j'ai fait touc 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 touc. Et puis je fais au sort comme ça. Et là, je suis tombée sur les taureaux. Bon, mes amis, que du positif, hein. Oh, regardez-moi ça. Un petit cœur. Comme ça, Mimi. L'amour. L'amour pour les taureaux. Trop beau, hein. Allez. Hop, 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 hop. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour compléter ce tirage, que peut-être c'est premier de venir voir aussi après, avant de dire non, ça ne me parle pas. Parce que peut-être ça va bien vous parler, mais après. Oups. Ouh, mon Dieu! La bague, l'anneau, l'amour, l'anneau, waouh! Mariage, les amis, mariage, union... Donc les taureaux. N'oubliez pas que quand on prend le taureau, on prend le troupeau. Hein? Parfois, c'est pas évident. C'est pas tout le monde laissé là. Non, là, il y en a trop. Bon, allez, on pose les cartes et puis je vous dirige sur la table. Comme dans le temps jadis. Avec l'ordinateur, hop, je mets mes lunettes. Quoique je les vois quand même, c'est juste pour les cartes de cartomancie que j'ai renoté un tout petit. Et qui... Alors, on coupe avec la souris, souci. Et la tour. Alors, souci et la tour. Alors, moi j'ai envie de parler d'un... Ça pourrait parler pour certains d'un emprisonnement suite à un vol, suite à une tromperie, suite... pour certains, oui. Alors, ça pourrait aussi demander le fait qu'on va se demander de se mettre... vous avez peut-être besoin de vous sentir seul. Vous n'avez pas envie de... Voilà, vous n'avez pas envie de compagnie. Vous avez besoin de vous retrouver un peu seul. Besoin de... De solitude, oui. Ça me fait penser aussi... Donc, la souris et la... d'un endroit... Un endroit où vous pourriez retrouver quelque chose que vous pensiez avoir perdu, que vous pensez qu'on vous avait volé, que vous ne retrouviez plus, ça vous embêtait de ne plus avoir cet objet. Peut-être que vous allez le retrouver dans un grenier ou dans une cave. En tous les cas, ce sera dans un endroit sombre. Sombre. Ouais. Ce sera dans un endroit sombre. Allez, on y va, on retourne. Il aime bien d'être au milieu, le chien, aujourd'hui. On a le chien, on a la cigogne, on a le renard, on a le lys, on a le ancre, le soleil, la maison, dites-donc, la lettre et l'amour, le cœur. Ben écoutez, hein, tout va bien. Tout va bien, donc vous allez retrouver un objet perdu. Vous allez... voilà, attendez, parce que j'ai quelque chose qui tombe entre les jambes.
petit machin comme ça, hein, je ne sais pas si vous le voyez, qui fait dodo. Voilà, c'est ça qui t'emboîte les jambes, pas autre chose. Donc, amour, mariage, union, fidélité, fidélité. Oui, et fidélité, et fidélité, et refidélité. Donc, il y a vraiment quelque... Peut-être même... Vous allez peut-être même avoir la preuve de la fidélité. Vous allez avoir l'ancrage. L'ancrage. Trouver votre nid, peut-être un déménagement, mais un déménagement très, très heureux. Une naissance. Une naissance qui est en train d'arriver dans la maison. Un nouveau bonheur. Avec le... Oui, avec le lys, donc... Ah oui, avec le lys et la lettre, des nouvelles par rapport à du travail, des nouvelles par rapport à, ah oui, des nouvelles par rapport à une personne qui est rusée, des nouvelles d'une personne qui est rusée, pardon, je m'excuse, mes chiens qui aboient, des nouvelles, oui, alors l'ancrage, on va, Chanel, sushi, oh, Chanel, j'ai beau crier, elle est un peu sourde donc. Je crois bien que c'est mon mari qui rentre. Donc, ici, nous avons le déménagement. Peut-être prendre une maman à la maison. Une maman qui va venir habiter à la maison. Votre maman qui va venir habiter à la maison. Je suis désolée, je ne vais pas recommencer la vidéo. Bon, j'ai crié très fort Chanel, j'ai coupé le micro, je ne sais pas ce que ça va faire, si vous m'entendez gueuler, ben c'est Chanel. Donc, bah écoutez, mais franchement, il n'y a que de l'ancrage, quoi. Il n'y a que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses qui commencent, donc l'ancrage par rapport à un foyer, oh non, non. L'ancrage par rapport à un foyer, l'amour qui s'installe vraiment. Excusez-moi. Et alors, ça suffit? Chanel? C'est le voisin. Sushi? Tais-toi. Je suis vraiment désolée, mais voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Je ne vais rien faire, moi. Ancrage, oui. Peut-être l'achat d'une maison. L'achat d'une maison. Nouveau travail. Oui, peut-être nouveau travail. Des nouvelles par rapport à un emploi. Un contrat de travail. On va signer un contrat de travail. Un travail que l'on aime. Un ami, un meilleur ami, un homme, un amant que l'on aime, qui est accroché, avec qui on va avoir un enfant, avec qui on va fonder un foyer, fonder une famille. Donc là, je suis pour qui, moi, là? Je suis pour... Je suis pour qui? Ah, pour les taureaux, pardon. Oui, ok, pour les taureaux. Donc, que du bonheur, en fait, vraiment que du bonheur, hein. En tout cas, beaucoup d'amour, du travail que vous allez aimer, du travail qui va être accroché, peut-être un travail que vous allez pouvoir faire à domicile parce que vous en avez envie, des changements heureux, des déménagements heureux, des nouvelles très heureuses par rapport à un déménagement, par rapport à un changement, par rapport à un ami, une amitié, par rapport à du travail. Tout se fera, tout est dans l'amour cette fois-ci, que ce soit le travail, que ce soit le déménagement, peut-être un enfant, un accouchement, une grossesse, ben, c'est vraiment l'amour, la fondation de tout ça, c'est l'amour. Je cherche quand même la faille, hein. Je vois pas de faille. Hein. Moi, je ne vois pas de faille.
Tout va bien, bon, franchement, tout va bien. Donc, si ce n'est pas, voilà, si vous ne ressentez pas ces énergies-là, tous les cas, dans tous les domaines, tout va bien. Il n'y a rien qui. Vraiment, vraiment, tout. Même s'il y a des changements, tout va bien. Je vais faire les cartes de cartomancie quand même. Alors, un as. Nous n'avons qu'un as. Avec l'as de carreau, il va nous parler donc de stabilité et de succès, les amis. Ben oui, oui. Je parle la carte de cartomancie, et c'est vrai qu'en général, la carte de cartomancie, dont Mademoiselle Lenormand se servait du jeu de cartes de cartomancie, et pas du petit Lenormand, bien évidemment. Évidemment, on a essayé de remettre sur la carte de Mademoiselle de Petit Lenormand la valeur de la carte de cartomancie, évidemment. C'est pour ça que ça est souvent, souvent, ça a un rapport avec le dessin. Mais en tous les cas, ici, ça nous parle de succès et d'abondance. Alors, j'ai une dame. On n'a qu'une dame. Pardon. Qui est la dame de cœur? Ben, la dame de cœur, c'est votre maman. C'est votre maman. La dame de cœur, ça pourrait nous parler aussi d'une dame, une belle dame blonde. Alors, un roi, deux rois, deux rois qui vont nous parler ici de bons conseils. Donc, vous allez avoir de bons conseils aussi avec les deux rois. Parce que les lys, c'est toujours aussi, ça peut être un avocat, juge de paix, un homme de. Excusez-moi, un homme de, qui est stru, une femme qui est structurée, quelqu'un qui va nous donner vraiment de bons conseils. Alors, le 10, j'ai un 10, 10 de cœur, qui va nous parler de chance et de grande joie. Le 9 de pique, un 9, 2, 9. Avec les 2, 9, on va nous dire de persister dans vos. On nous dit de persister dans les efforts et d'avoir quand même encore de la patience. Vraiment. Mais là, c'est vraiment, je crois même pas qu'il y a besoin, mais bon, ça veut dire ça. Persister dans vos efforts. Je vérifie que j'ai. Ce soit bien. Oui, 2, 9. Ensuite, j'ai un 7 de pique. Je n'ai qu'un 7. Le 7 de pique, il va nous parler de béné, de. Oui, c'est de pique. Hein. De là, ça va nous parler de mauvaises nouvelles qui se transforment en espoir ici. Donc ici, c'était des mauvaises nouvelles et vous allez pouvoir espérer ici. Et en même temps, comme je suis là, pour avoir des nouvelles de justice, éventuellement, peut-être. Mais ça va devenir de l'espoir, d'accord? Donc c'est que du bonheur. Le 9, je l'ai dit, il y en a deux. Le valet, je n'en ai qu'un encore une fois, je pense. C'est le valet de cœur, le valet de cœur qui va nous parler de d'un jeune homme noir de ou foncé de cheveux qui pourrait être amoureux, ou ça va nous parler tout simplement d'un jeune homme amoureux, ou du fait d'être amoureux pour moi. Sinon, c'est un jeune homme avec des cheveux foncés qui est amoureux. Voilà, mes amis. Donc, je vous relève, je vous redresse. Et puis, je vais vous libérer parce que j'ai terminé. Et puis, je pense que, écoutez, ce jeu est magnifique, hein? Il est vraiment super beau, ce jeu. Et voilà, mon petit chouchou. Et je crois que j'en ai terminé pour aujourd'hui, pour mes vidéos. On va publier celles que j'ai faites. Et puis, on terminera peut-être demain. Voilà. Je vous ai tout dit, que du bonheur, et ben, les taureaux, félicitations. Et puis je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Ah mon chien, de novembre, Oscar et moi, et Sushi et Chanel, nous vous souhaitons un magnifique mois de novembre 2018. Bisous, bisous.